5 secondes d'avance sur le peloton de Rennes, l'un des grands bonheurs de l'étape du jour. Il est en train d'affronter les derniers hectomètres de l'étape de Velasco. Va être dans un instant le vainqueur de l'étape. Il est donc actuellement seul en tête des derniers hectomètres. Pour le croire que nous avons au commandement, va avoir une victoire italienne avec Simone Velasco à les derniers hectomètres. Ils sont longs. Le voilà qui apparaît maintenant. Présentement d'entrée de la dernière du France. Et le vainqueur de Simone Velasco, le corps italien de la formation donc, de l'équipe de Sprobruxello, va être le vainqueur de l'épreuve. Dans quelques secondes, voilà Simone Velasco, le vainqueur de l'épreuve du jour, à quelle finale. Ça dit aujourd'hui par Simone Velasco, vainqueur de l'épreuve de bonheur. Et le pilote de Velasco est le sprint de maintenant avec pour la deuxième place de Garonnet. Elle s'invente ses cheveux, garde la vie ses cheveux. À Germain de Pierre Roland, on retrouvait également Sochnik et l'arrivée du peloton qui est avec le sprint du peloton qui revient donc au port Pitchenson, le port italien, donc le classement de l'étape. Alors que nous avons un autre peloton, les gardes arrivent